C'est pour eux le début d'une grande aventure. Des centaines de jeunes Belges partent à l'étranger durant 6 mois ou une année. Certains sont partis ce matin. Près de 70% d'entre eux choisissent une destination anglophone. Ils feront leur entrée scolaire, notamment aux États-Unis. Corentin Simon était avec certains d'entre eux ce matin à Zaventem. Et donc là, il y a ton luggage bag. Tu peux le mettre autour de ton bagage. Dernier renseignement pris pour Lise. Cette jeune de 17 ans peut aller enregistrer ses bagages. Je suis prête, motivée, un peu effrayée, mais ça devrait aller. Effrayée, mais prête à vivre une aventure unique en Idaho. Je me lance dans l'inconnu. Je connais personne et je perds tous mes points de repère, mais c'est une expérience géniale. Thomas va, lui, en Californie. Ce jeune Namurois de 17 ans voulait absolument partir. Découvrir le monde, découvrir une autre culture, apprendre l'anglais pour savoir mieux communiquer. Les jeunes partent de plus en plus tôt, certains durant leur secondaire. C'est le cas de Lisa, 16 ans. Cette Liégeoise va passer sa 5e à Cincinnati. Ça me permet de gagner un an et comme ça, je peux directement passer à mes études quand j'aurai fini ma réto. J'ai une partie de mes cours en correspondance et je vais avoir des bons résultats à l'école aux États-Unis. Et Clément passera, lui, son année en Floride. Il est certain de revenir différent. Je suis sûr que je vais être complètement changé. C'est un tout, je pense. La langue, la culture, tous les gens qu'on rencontre. Et juste après avoir dit adieu à leurs proches, ces jeunes ont pris leur envol vers cette belle aventure.